On a besoin, qui est tout collectionneux, qui a regardé la télé, là, à cette heure-là. Oh, les amis, voilà la star qui monte, le matpotora de l'art et la tradition populaire de Saint-Onge. Il s'appelle Goulbenaz, c'est la star dont on va parler. Et on n'est quasiment pas au stade Palladium, mais pourquoi pas le stade Palladium du folklore, la Goulbenaz, ce restaurant à La Rochelle, bien connu. Pourquoi on parle de Goulbenaz? Tout simplement parce qu'une équipe de jeunes musiciens a décidé de remettre Que Bonhomme au goût du jour, d'Aster, avec le patois. Et j'ai plaisir à retrouver Mathieu Touzeau, qui est un petit peu le chef d'orchestre de cette aventure musicale, autour d'un bar de la fin du siècle dernier, qui pourrait bien attaquer les parades. Mathieu, bonjour. Bonjour. Bon, dites, c'est un vrai bonheur, c'est rigolo. Vous faites très jeune, on pensait que vous alliez nous parler de Céline Dion ou de matpotora. Vous parlez de Goulbenaz. Alors, on a choisi ce qu'on avait de mieux à La Rochelle pour parler de Goulbenaz. Le restaurant, la Goulbenaz, qui sent bon le pays du barde, le pays du chansonnier. Vous connaissez cet endroit? Non, je découvre ce restaurant, oui. Bon, alors dites-moi, on vient de montrer un disque qui est plus un 45 tours qu'un CD, qu'une clé USB, etc. Qu'est-ce qui vous prend de mettre cette star, dont on va parler là, cette star ancienne, 1870, il naît, 1852, il meurt, on écume toutes les campagnes, tradition populaire et tout. Qu'est-ce que ça a à voir avec vous, ça? Ah, c'est une longue histoire en fait. Aussi pour Dominique Porcheron, on a des histoires. On a un parcours de patoisan. Un collègue à vous, ça? Oui, tout à fait. Et on enregistre un CD en hommage à Goulbenaz, en ce moment d'ailleurs. Et donc chacun on a un parcours de patoisan et donc c'est une longue histoire, on va dire. Et c'est principalement des rencontres qui font qu'on s'intéresse à un répertoire comme celui-ci. Mathieu, tout petit, vous êtes du monde rural, je sais pas, Saint-Onge, vous naissez dans une ambiance où à table, dans les mariages, on chante. Comment ça arrive, vous êtes prof de musique par ailleurs, mais comment ça arrive là, l'immersion dans Goulbenaz tout à coup? C'est vraiment, faut fouiller pour trouver. Hein. Alors oui, ben en fait, c'est effectivement dans ma famille, on parlait en patois, hein, et donc les grands-parents, les arrière-grands-parents, les grands-oncles, etc. Et après, ben personnellement, c'est la rencontre avec Ulysse Dubois qui a fait que j'étais... Qui c'est Ulysse Dubois? C'est un patoisan de la région, du sud de Sèvres. Ouais. Et cette rencontre a été marquante pour moi. Et ce qui a fait que j'ai continué, j'ai fait un programme entièrement de chansons en patois. Et Dominique Porcheron, c'est... Le même genre de parcours, donc c'est des rencontres, des histoires aussi de famille qui font que à un moment donné on passe le pas. Qu'est-ce qui vous plaît? C'est l'ambiance d'une époque, c'est la syntaxe d'un vocabulaire, une façon de construire les phrases, c'est que vous vous êtes trompé d'époque, vous auriez préféré être au 19e siècle? Ah non, cette rencontre-là, moi, avec Ulysse Dubois, ça a été la découverte d'une poésie. De la musicalité de la langue et pour moi ça a été le plus important, c'est la musicalité de la langue en fait, la musicalité du patois. Le patois c'est très musical. Vous le parlez, le patois? Alors je le parle un peu. Disez-nous quelque chose quand même, un peu, un coup qu'on voit un peu, parce que le gars peut, il cause bien sur France Culture, mais là, est-ce que c'est frelaté, je ne sais pas. Alors un petit truc en patois. Et qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis, toi? Qu'est-ce que tu fais, mon drôle? Donne-moi des mots, là. Les Parisiens qui s'installent de plus en plus nombreux sur le côte. Alors, quand ils arrivent, ils entendent dire le drôle. Alors, ils disent, oh, ça doit être un petit monstre. Non. Ah non, le drôle, c'est un enfant. Voilà. Bon, après, oui, il y a tout un vocabulaire. Il y a des choses qui sont très belles. Même dans le... Moi, j'aime bien... Tu me vasses. J'aime bien... Tu veux dire quoi, ça? Tu m'embêtes. Alors, en français, ce serait tu me lasses. Et en patois, c'est très expressif. Tu me vasses. Voilà. Bon, il y a des... Après, bon... C'est monté une association qui s'appelle la Javasserie, d'ailleurs. Ça veut dire quoi, Javasserie? Alors, ça veut dire le chahut, en quelque sorte. Voilà. Donc, c'est une association qui est support pour faire cet enregistrement. En hommage à Goulbenaz, voilà. Si je veux dire, vous avez de belles chaussures, je pourrais dire, je veux bien le glace. Ah oui, bah oui, bah après. Bon, alors les amis, c'est Goulbenaz, regardez comme il a une bonne tête là. Puis quand il est peint, repris avec beaucoup d'émotion par les peintres, regardez ce que ça donne, c'est toute une époque. Alors, soit il est en milieu rural et il entretient une culture paysanne, etc. Soit il est dans la société et il est
plutôt un coup de pinceau sur la société du 19e, rurale, mais pas agricole forcément. Il naît dans une famille, ça commence très pauvre. Je crois que le grand-père est charcutier, besogneux, mais puis il met des sous de côté. Le père devient illustre. Parlez-nous un peu de cette famille goulbonnaise. Oui, bah après c'est surtout les parents et le père de Goulbenès qui devient maire de Bury et conseiller général à son époque, donc avec l'aide de d'Émile Combes. Donc voilà. C'est la belle société de la ruralité du sud, de Charente-Maritime aujourd'hui. Voilà, donc c'est une famille quand même aisée, donc de l'époque, voilà, au départ, et puis voilà. Alors, le charcutier Mathieu, lui, il est analphabète. Par contre, Goulbenès, dont je dis le nom, la marque Henri Évariste Poitevin, lui, il est lettré, et il est même prolifique à écrire. Il écrit plein de trucs, il fait pas que des chansons, chansonniers. 370 textes lui sont attribués. Oui, donc en fait, il écrit des monologues, c'est-à-dire des petites histoires. En vers, en prose? Ah, les deux, en fait, il fait de tout. Et en fait, il crée des textes aussi en français. Mais le plus, ce qu'il a fait dans son œuvre, c'est l'adaptation de chansons à succès du début du XXe siècle. En fait, il plaçait ses textes à lui sur la musique, donc de chansons comme Froufrou, qui était chantée par Bert Silva, par exemple, qui est devenu Le Vin Bian, ou je pense aussi à une chanson, la chanson du Clicquot, ouais, qui est en hommage au Champagne, ouais, qui est une chanson française très, 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 très connue à l'époque. Et en fait, il en fait la chanson d'Ocugna, qui met donc en valeur le cognac, et avec un texte à lui, donc en patois. Voilà. Vous me disiez, il fait le tour, parce qu'après il fait du spectacle, à l'époque homme de lettres entre guillemets, il fait du spectacle, il fait du cabaret, il fait la tournée des cabarets. Oui, alors il fait vraiment le tour de la région, hein. Il fait vraiment, et pas que la Saintonge, hein. Il va au-delà, et ses chansons vraiment tout de suite un succès, un très grand succès. Alors, donc, il est natif de la région de Bury, de la région de, si on veut aller sur les traces au plus près de la racine de Goulbenès, il faut aller à Bury, il faut aller à Écoyeux. Ils ont même possédé, je crois, le papa, comme il y avait un petit peu de sous sur la fin, là, il possédait un château. Par contre, fortune n'a pas duré longtemps, parce que Goulbenès, il est quand même un peu mort dans la, pas dans la misère, mais enfin, c'était plus la superbe financière d'avant. Non, après, Goulbenès, à la fin de sa vie, effectivement, n'est pas aisé du tout. Donc voilà, mais après, c'est l'histoire de la famille. Alors dites-moi, donc vous décidez de remettre Goulbenès au goût du jour. Donc là, on avait ce petit 45 tours. À l'époque, c'était sorti quand, ce 45 tours? Alors ça, ce sont des enregistrements qui datent de 1930-1940. Donc c'était sorti en 33 tours à l'époque, sur des gramophones, voilà. Et en fait, là, c'est une réédition de ces enregistrements-là qui sont sortis dans les années 70. Il y a 5 45 tours, donc qui reprennent donc ces enregistrements des années 30. Alors comment on fait pour choisir dans un répertoire aussi prolifique que celui de Goulbenès pour dire, vous avez, je crois, 6 titres que vous avez choisis? Alors en fait, il va y avoir donc 16 titres. Donc en fait, on a choisi chacun, le Fia Fernand et moi, 8 chansons chacun. Ouais. On va chanter donc chacun la moitié finalement des chansons du CD. Et donc on a choisi chacun nos chansons préférées. Alors le Fia Fernand, c'est les chansons qu'il chante déjà, ses chansons préférées donc de Goulbenès. Alors moi, j'ai choisi plus par rapport à l'aspect musical. Et il y a des chansons étonnantes qui sont méconnues. Par exemple, il y a une chanson Le Boutillon d'Ernestine qui est vraiment très étonnant, parce qu'on dirait une mélodie de forêt, mais avec du patois. Ce qui fait une couleur assez très étonnante. Oui, vous avez un petit extrait de ce que pourrait donner un peu le résultat de votre travail quand ça va sortir, là, parce que ça vous entendrez à la fois chanter, puis alors à la fois parler le parlant jeu du coin. Alors je vais chanter le refrain de la chanson d'Ocugna. Donc,
Un petit verre de cognac, voilà ce qui fiante. On vous chauffe le pessin, tellement qu'on gratte. On chasse l'influenza, me qu'un empiante. Chantons donc en claventara, la valse d'Ocugna, Cugna. Chantons donc en claventara, la valse d'Ocugna. Oh, super, Mathieu. Ça reste, alors bon, nous, on a envie d'y aller, parce qu'on a un petit peu l'âge de chalouper avec vous. Et les gens, ils chaloupent, ça se sent encore, ça, dans les campagnes. Il y a des gens qui savent ou non, c'est l'affaire d'un peu les intellectuels, maintenant, les académiciens de la Saintonge, etc. Oui et non, je dirais, parce qu'en fait, il s'agit d'un patrimoine vraiment des Charentes très important, on va dire. Goulbenès, c'est l'un des personnages qui représente, au même titre que par exemple Pierre Loti ou des gens comme ça, des artistes qui ont marqué vraiment la culture des Charentes. Et voilà, donc c'est effectivement, il y a c'est un patrimoine qui est chanté par des patoisans d'aujourd'hui, mais c'est aussi un patrimoine à transmettre et à connaître aussi pour les plus jeunes. Mathieu, on vient de recevoir un petit signal là d'amis qui nous regardent depuis Strasbourg à l'instant. Je les salue, merci de nous regarder depuis Strasbourg. Ils disent, mais Goulbenès, pourquoi Goulbenès s'il s'appelait Poitevin? C'est sympa Poitevin. Goulbenès, ça signifie quoi, Goul et Benès? Alors c'est la goule bien aise en fait, ça veut dire qu'il aimait bien parler, voilà, ça veut dire ça. Voilà, donc c'est un nom, d'ailleurs c'est un nom qu'on retient assez facilement d'ailleurs, même aujourd'hui. Bon, Mathieu, on va arriver au terme de cette émission, je veux juste savoir, ça va être un DVD, un CD, je ne sais plus comment on appelle les trucs, moi aujourd'hui, une clé USB, un téléchargement sur une plateforme. Non, c'est un album CD, vraiment, avec piano, on est accompagné au piano et on a enregistré en avril, on a fait la prise de son du piano sur un piano à queue à la Bio Dame de Sainte. Et donc on enregistre les voix en ce mois de juillet, voilà. On trouvera ce document où ça s'achète, c'est payé, il faut mettre des sous, comment on peut vous aider? Alors il y a déjà une souscription en ligne actuellement. Sur quel site? Alors c'est il suffit de taper Goulbenès souscription sur un moteur de recherche. Alors Goulbenès, ça s'orthographie comment? Parce qu'il y a mille façons d'orthographier. Alors, sur la façade du restaurant, déjà, il y a trois manières. Oui, ben en un seul mot, Goulbenez. Accent grave, accent aigu, pas d'accent? Accent aigu. Accent aigu, parce que je crois que sur sa tombe, c'est accent grave. Je ne sais pas qui a le marteau a glissé. Voilà, après bon, il y a des orthographes même selon les époques qui changent. Voilà. Donc, ça va s'intituler ? Hommage à Goulbenès, tout simplement. Hommage à Goulbenès, on rappelle, période de sortie ? Alors, normalement, ça devrait sortir avant les fêtes. Ouais. Voilà, les fêtes lesquelles ? C'est toujours les fêtes ici à La Rochelle. Un peu de joie à jaune, paf, c'est la fête. Du bleu, c'est la mer, c'est la fête. Oui, fête de fin d'année, oui. Bon, bah écoutez les amis, soyez attentifs, on aura le temps, on en reparlera. Mais enfin, on est quand même tout à fait sympa que l'équipe de Jones, là, qui sont en train de faire monter notre gars, pas au top 14, mais au top 50, peut-être, de la chance. En tout cas, c'est une vraie anthologie, un vrai morceau d'histoire de toute la Charente-Maritime, sur la région Saintonge en particulier. Il y a une académie, l'Académie de Saintonge, qui continue d'entretenir la mémoire de Goulbenès. Il avait une bonne tête, que gars, avec que moustache. Les vrais. Que choule drôle. Chaud drôle, ouais. Chaud drôle. Bon, les amis, à très très bientôt. Merci, je rappelle votre nom. Mathieu Touzeau, site Goulbenès, blabla. Oui, avec Le Fia Fernand et Ludovic Bulit, le pianiste. Voilà, on les salue, puis on salue tous ceux qui sont attachés aux langues comme ça, traditionnelles, parce qu'elles sont le ferment de nos singularités. Voilà, puis par les temps qui courent, rasmut des médias internationaux, on aime la singularité, nous. Hein? Voilà. Isn't it? Allez, à bientôt. Un dernier petit mot, la petite chanson, on va partir en chanson. Comme celle que vous avez chantée tout à l'heure. Allez, c'est parti. La chanson de tout à l'heure que vous avez chantée, là, c'était beau, ça. Ah oui. Un petit verre de cognac, voilà ce qui fiante. On vous chauffe le pessin, tellement qu'on gratte.
Oh, chasse l'influenza, me qu'un empiante. Chantons donc en claventara la valse d'eau, cugna, cugna. Chantons donc en claventara la valse d'eau, cugna. On va retrouver ce gars-là aux francophonies. Restez attentifs au programme pour échanger avec le programme de francophonie de cette année. À bientôt! À bientôt! À bientôt, les amis. Au revoir!